Défiler cette année pour représenter l'Ukraine parce que j'ai des origines et que j'avais envie de découvrir plus le pays, que j'y suis allée plusieurs fois et que du coup quand je reviens à Lyon, je suis fière de présenter les couleurs de ce pays que j'aime beaucoup. Donc, c'est ma grand-mère qui était ukrainienne. Elle n'a pas vraiment eu le temps de me transmettre ses traditions, mais je me suis beaucoup intéressée à l'Ukraine après le Maïdan parce que c'était au devant de l'actualité et je me suis posé des questions sur ce que c'était que ce pays. Et parce qu'en France, on en perçoit quelques brides et donc du coup, je me suis beaucoup intéressée. J'apprends l'ukrainien à l'université de Lyon, je fais des voyages là-bas et je redécouvre un peu mes racines. Et du coup, pour présenter l'Ukraine au défilé de Lyon, c'est une bonne occasion de finir le travail. Mes deux grands-parents étaient ukrainiens et je pense à ma grand-mère qui n'est plus là depuis 30 ans, mais qui m'a transmis l'amour de l'Ukraine. Et donc pour moi, c'est une grande fierté de participer à un défilé autour de l'Ukraine parce que ça me permet de penser à elle et je pense que ça fait plaisir également à ma maman. Donc c'est une façon de perpétuer la tradition, de faire découvrir l'Ukraine aux personnes qui ne connaissent pas forcément les couleurs du drapeau, qui ne connaissent pas les costumes traditionnels. Et ça fait plaisir de pouvoir transmettre ça aux gens. Cette année, je suis allée en Ukraine pour la première fois et j'ai fait l'acquisition d'un costume traditionnel, donc c'était aussi l'occasion de l'étrenner. C'est un costume traditionnel Houtsoul, qui est une peuplade de montagne. Et c'est du coup des dessins qui sont différents. Et même en pays Houtsoul, vous avez des différences de motifs. Et les gens là-bas savent de quel village vous venez, de par la véchevanka que vous portez et les motifs qui sont dessinés dessus. Le défilé, c'était justement aussi l'occasion de découvrir le haut-pack ukrainien que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un art martial ukrainien et on a eu la chance d'avoir, par l'association Lyon-Ukraine, deux haut-packistes. Donc c'est des Cosaques finalement des temps modernes qui sont venus. Ils sont vraiment très musclés, ils ont beaucoup de force et leur spectacle est vraiment très impressionnant. Presque un peu peur quand on voit les bâtons voler dans les airs. Et quand on m'a dit qu'ils avaient 18 et 20 ans, je me suis dit, mais waouh ! Il y a un côté chorégraphié qui est très beau, et en même temps, on voit que c'est un sport de combat, donc j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse montrer ça. Et j'ai trouvé que, du coup, ça donnait une originalité au défilé ukrainien, parce que les autres avaient plus des chants et des danses, tandis que nous, on a montré quelque chose d'original avec ces haut-packistes, donc bravo.